Je vais vous prendre la petite VOD YouTube. Donc on va tester, hein, si on a des tops comme le joue, genre voilà, quelques joueurs en EU sur le solo queue master à 300 LP. Et donc les maîtrises sont donc celles-ci. J'ai pas les runes malheureusement, vu que voilà, je suis sur le serveur russe, on va faire le test sur le serveur russe. Mais ça joue avec le fameux assaut du maraudeur pour courir plus vite. Et tu te builds comme ça. Donc je vais vous montrer comment tu builds le champion. Donc voilà. Et il le build comme ça. Donc c'est-à-dire qu'il y a l'Ayumu qui se fait en premier item. Donc voilà, qui est juste ici. L'Ayumu qui se prend directement. On start avec une épée longue, 3 potions, la trinket jaune. Après tu reprends une épée longue, tu prends ta Ayumu. Et derrière tu pars sur un peu de peiné. Il prend Exdrinker, donc voilà, Malmortus et épée Vespale de Draktar. Ok, donc on va tester, ça dépendra de ce qui est en face de nous. Si seulement il n'y a pas de dégâts magiques en face de nous, on va partir sur l'épée directement. Si seulement il y a des dégâts magiques, on va partir sur la Malmortus. Voilà, faisons ça ainsi. Et on va voir si ça fonctionne bien, parce que le but est quand même de courir comme un con sur les gens, mourir et les taper comme un connard. Donc ça peut être assez fun. Donc ouais. Donc ces runes sont amazing, ces runes c'est full pain armor. Ah oui, mais ça malheureusement j'ai pas. Donc vu que j'ai 3 pages de runes sur ce compte et que je sais même pas ce que c'est, étant donné que voilà, genre c'est marqué en russe. Parce que le compote Nebene plus 12, pas vous mentir, bon, pour moi c'est quand même du couture quoi, donc ouais, pas ouf. Parce que oui, en Turquie, quand les mecs te parlent, étant donné qu'il y en a beaucoup en Turquie qui ne parlent pas trop l'anglais, ils commencent à te parler, toi tout ce que tu sais dire, tu vois, c'est tamam. Genre lorsque vous allez en Turquie, le tamam c'est genre ok, ça va, genre tu vois, c'est en mode tranquille, c'est le truc d'escape le plus tranquille. J'ai dû le dire au moins 1000 fois en Turquie. Tu vois, j'ai des petits tamam. Tu vois, le mec il fait ah, c'est bon, il a compris, c'est cool. Il se barre. Tu vois, c'est cool. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une petite astuce, vous tous qui allez en Turquie, si seulement vous allez en Turquie un jour, n'hésitez pas à pratiquer l'art du tamam le plus souvent. Donc ouais. Donc tu racontes des bêtises, tu as pas besoin de mourir pour faire des dégâts, ton ulti et ton A deal de gros dégâts en AD. Ah, mais je sais, mais le passif c'est toujours marrant de s'en servir, tu vois. Donc oui. Pourquoi il met pas le jeu en anglais? Parce que je suis en Russie. Quelle idée de pas mettre le jeu en anglais. Vous êtes fous. Non. Donc quoi, ce chapeau sur cette tête de citron? Bah c'est un chapeau de paille de base, mais vu que je peux pas le mettre bien, bon, c'est un peu la galère. Non. Donc là, le problème c'est que je suis en silver 5, mais j'ai un bon ratio. Donc je tombe parfois avec des low gold au silver. Donc c'est le moment où tu peux troll encore, donc assez tranquillement, mais où tu peux pas non plus faire totalement de la merde et tomber sur un zoo incroyable. Parce que tout à l'heure on est tombé sur des mecs, c'était quand même des pépites avec un blitzcrank qui mettait des grabs sous l'emprise de l'alcool. Mais c'est pas toujours le cas, c'est pas toujours possible, donc on va bien voir. On va voir si ça fonctionne, donc mon petit Sion AD. Et juste après j'essaierai de jouer sur mon Smurf, étant donné je crois que c'est fait 10k à cause d'inactivité. Donc j'essaie de faire une petite enquête pour me remettre un peu dans le bain, essayer de faire des games un peu plus travée, un peu plus sérieuse. Parce que là voilà, on s'amuse, on fait n'importe quoi, on se fait tuer par un silver avec notre rise. Mais non, voilà, la rigolade est passée, on s'est chauffé, on va essayer de s'amuser un peu plus. Donc RB, à quand la prochaine vidéo IRL avec Jill? Je pense que je vais en faire une demain, je voulais en faire une aujourd'hui de base pour montrer un peu la chasse aux Pokémon dans Disney Village. Mais le problème c'est que les serveurs étaient off, donc au final ce sera plus un vlog Disney Village qu'autre chose. Mais ouais, je pense que je la sortirai aujourd'hui. Il va falloir que je fasse le montage ce soir et tout, mais ça devrait être ok. Et j'avoue mec, regardez, là, tu vois ça qu'en Russie. Parce qu'en Russie c'est tous des frères de boisson. Ils se donnent tous des bandeaux en mode, oh lui il était cool, c'était un bon adversaire, voilà, c'était un bon joueur et tout. En EU, mon pote, dès que tu perds, la game c'est, fils de pute, je te reporte. C'est toujours comme ça. Nous, eux, c'est tranquille, ils sont full alcool, ils se rendent pas compte qu'ils viennent de perdre de l'elo. Ils s'en branlent de leur elo. Tout ce qu'ils veulent, c'est, tu vois, c'est limite des compagnons de boisson. Ils se baladent, c'est comme Gragas et Jax, tu vois. C'est le même délire. Et du coup, tu vois masse mec avec des petits bandeaux, genre en mode voilà, adversaire honorable, un bon teamworker. Lui, je sais pas ce que c'est. Lui, ça va être en mode il est nul, mais il est cool. Donc ça doit être un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, c'est terrible. Donc, Rai, c'était ta première game depuis ton retour. Oui, c'était ma première game depuis mon retour, mon cher Hamza Omega. Je viens d'assister à mon retour avec une game où on a un peu glissé, mais qui était malgré tout fun. De tu devrais faire le Sion lifesteal qui en passif ne meurt pas tant qu'il y a des creeps. Ouais mais non, c'est pas ouf. Je ferais peut-être je vais faire le Sion AD classique moi, histoire de voir quels dégâts ça colle. Putain, j'ai pas honor Maru Federer, j'ai pas honor quelqu'un depuis des mois. Mec, mais t'es sérieux?
On a des gens qui sont cool, parfois c'est bien. Mais j'avoue qu'en EU, c'est pas du tout la mentalité. En EU, les mecs, ils vont directement insulter. Tu vois, même quand tu gagnes, t'es même pas heureux d'avoir gagné une game, tu vois. Tu dis, ouais, j'ai gagné une game, c'est cool, je relance une game direct, tu vois. On est arrivé à une mentalité qui en EU était quand même assez terrible, hein. Genre, on va pas se mentir, les gars. Dès le moment où tu dis plus de GG, tu sais, où tu penses juste à relancer une game, et même quand tu gagnes, tu n'es plus content, il faut songer à changer. Il faut arriver à changer les mentalités. N'hésitez pas, à la limite, à jouer comme les Russes, c'est-à-dire sous l'emprise d'une totale bouteille d'absolute, et t'es bien. Bien entendu, seulement si vous êtes majeur. Ouais. Boire est mal pour la santé. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je max sur ce pic? Laissez-moi voir. Donc, qu'est-ce que je veux voir? C'était pas ça. C'était pas ce que je voulais voir. Voilà, c'était ça que je voulais voir. Donc, j'imagine qu'on max le A, mais je suis pas sûr. Donc, j'ai bien envie de vérifier ça. Putain. Ok. Voyons voir. Donc, je vais vous dire exactement ce qu'il faut maxer et ce qu'il faut pas maxer. Non, merde, c'est ça. Voilà. Putain, ça marche pas, ça casse les couilles. Enfin, je vais quand même aider mon petit Wukong. Aide pas Wukong et go dans le bush de la botlane level 1 LRB. Oh, c'est quoi cette stratégie, mon ami? C'est pas une stratégie humaine, ça. Ça, c'est une stratégie d'homme. D'homme tronc. Donc ouais, on max le E, enfin on max le A, après on max le Z, et après on max le E. Donc le E en dernier, très bien. Ok, donc j'ai été voir un petit guide vite fait. Là c'est bon, on va pouvoir s'amuser. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on a un Ezreal avec? Vous pouvez m'appeler le Choker, hein, genre... Là j'avoue que vous pouvez totalement m'appeler le Choker, parce que le petit Q-spell qu'on a pas réussi à mettre dans un creep immobile... Pas ouf. C'est Summoner. Bon, c'est pas dingo les Summoners qu'ils ont. Enfin, que nous avons, en vrai. Voilà, on recule instant. Il met un coup dans les creeps. Il prend toujours l'aggro des creeps. On lui met une auto-attaque. Oh merde, je fais tellement de dégâts. Ah! C'est bon, ça passe. Il est parti en boucle d'Oran. J'avais oublié que j'avais pas de PV sur ces runes. Du coup, c'est pas dingo. Bon, il va falloir que je prenne ça. Est-ce que je peux le bait avec mon Z? Merde, c'est comme ça le serait. Non! Allez! Oh! What the? Attends! J'arrive. Oh, il est mort. Ok, c'est bon, j'ai ma TP. Faut que j'astite. Par contre, ça fait tellement mal. What? Pourquoi je meurs pas? C'est quoi ce délire? C'est trop bien. Attends, je vais prendre une plus longue. Ah, il m'a surpris de ouf, il m'a fait tellement mal. C'est vrai que l'ignite qui m'a été placé était pas dégueu. Ah, donc c'est bon, on est bien, 100% worse. Bon, j'avoue que pour une first time sion, les gars, on glisse un peu, hein. Il y a moyen que on s'en sorte très très mal. Par contre, je comprends pas pourquoi je régène autant de PV avec. C'est quoi ce délire? Genre, j'ai lassé tous les creeps de la wave limite. Et je suis revenu tranquille. Ok, parfait. Mais qu'on m'explique la régène par contre. J'aimerais comprendre. En tout cas, c'est worse, hein, de mourir en early avec Sion. Hein. Y'a rien à dire là-dessus, c'est méga méga worse. Essaye de le trade dans les creeps. Essaye de l'arrêter avant. Avant qu'il arrive là. Mais il va me trade, je suis un connard. Par contre, il est où? Ok, donc apparemment ça arrive. Hop là, je te crache dessus. Voilà, un petit bump qui a été mis, on recule instant. Est-ce qu'il va prendre les dégâts des creeps? J'ai même qu'il mette une auto-attaque juste. Vas-y, même une auto-attaque, comme ça les creeps te tapent. Voilà, parfait. Oh merde. Ah merde, ça c'est chiant. Voilà, passif. Allez, on y va. Allez, on y va. Non, reviens. Ah. Oh putain mec, c'est tellement chelou à jouer comme pick. J'ai pas du tout l'habitude de jouer ce genre de champion, hein. Après j'avoue que j'ai fait un peu le go, on m'a pink avec le jungler. Ouais, il est vrai que il y a eu un abus de confiance qui s'est pris, mais j'aurais bien aimé bien le frapper là. Donc 100% de lifesteal avec le passif venant d'un beau OTP Sion. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a marqué. Du coup, t'as 100% de Bambina là, de trucs, et du coup ça veut dire que tu régènes quand tu tapes. C'est pas mal.
C'est très très bon. Donc là on est à 1-2, mais c'est pas très grave. Je pense qu'on va le soulever quand même, le pauvre Darius. Ça devrait être ok. Donc rush tes boots. Ok, donc je vais prendre mes bottes de célérité très vite. Ah, ça s'approche. C'est pas cool de jouer contre un Darius, hein. Ça farme bien, j'aime bien. Il est level 5, il est même level que moi, ça peut être un peu chiant. Donc je vais attendre qu'il utilise son A, on va essayer de le trade, tiens. Voilà, frappe. Putain, les dégâts qui me collent. C'est vraiment pas fastoche, hein. Ok, Wukong, vas-y, va le chercher, Wukong, tue-le. S'il te plaît, parce que moi je vais galérer, hein. Est-ce qu'il va venir comme un con? Est-ce que je peux l'aggro? Comme si c'était un mob sur dans les MMO. Ouais, tu peux faire ça apparemment. C'est pas mal. Oui, c'est un mob. Donc tu peux t'amuser à aggro les gens, hein, sur les serveurs russes, les gars. Dites-vous que c'est un peu du PvE. Mais le problème c'est que parfois il y a des mobs qui sont un peu plus forts que d'autres. Comme tout à l'heure là, le petit Zac qui est arrivé. Voilà, c'est la surprise du mob qui pop, qui respawn sur ta gueule. Mais sinon le Darius quand il arrive, ça va. Genre tu t'amuses devant lui. Et au bout d'un moment, tu danses. Je vais prendre les bottes, voilà, parfait. Donc maintenant que j'ai mon ultimate, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux aller chercher un kilobot? Je peux pas, ils sont en train de push. J'aimerais bien aller au mid là, pour essayer de les défoncer. Ça me mettrait plutôt pas mal. Ok, il est là. Oh ouais, allons-y. Viens, on va le chercher. Viens mon ami, je vais leur crier dessus. Ouais. Tape-le! Tape-les! Oh non, Wukong! Oh non! Quel dommage! On n'a pas réussi à l'avoir. J'ai réussi à mettre le bum sur Echo, mais bon, comme vous pouvez voir, les mécaniques sont encore un peu. Est-ce qu'on peut l'aggro lui aussi comme un mob? Tiens. Non, je peux pas. Ça va, c'est pas tous des mobs. Ils ont pas tous le même niveau de mob. Donc tu fais R en même temps ton Z. Ah d'accord, donc faire ça. Très bien, je ne savais pas. Merci à toi pour ce conseil, mon cher. Après mon Z fait pas beaucoup de dégâts là, il fait combien? Il fait 90. En même temps il est que level 1. Mais c'est toujours ça le prix donc ouais. On va prendre ça. Ah mais du côté de mon équipe c'est pas du tout sous bouteille hein. Forcément ils ont un avantage, ils sont partis invade. Ah par contre le Darius les gars. Le Darius c'est quand même parti de là. Il est arrivé mid et il est maintenant au bot hein. Tu vois ça c'est des balades nocturnes. Tu te balades tranquillement avec ta bouteille. Et il se soucie de rien, genre c'est incroyable. Il a récupéré un kill comme c'est bien joué à lui. Surtout qu'il a pas d'ignite, donc décalé comme ça. Dites-vous que si vous décalez comme ça, si jamais vous n'avez pas de TP ou quoi que ce soit, c'est de la merde. Genre vraiment c'est les pires décals au monde. Là, au top, tu peux mettre un trou de ouf. Genre c'est absolument répugnant ce qu'il vient de faire. Donc voilà, conseil pour tous qui ne le saviez pas. Les décals comme des cons, c'est pas ouf. Pas mal. Ouais, je vais taper la tour, moi je vais essayer juste de prendre du stuff. Car bon, le stuff c'est quand même ce qui va me permettre d'aller ensuite one shot les mecs. Ce sera bien. Oh là là. Mec, la décale qu'il a fait, elle est incroyable. Surtout qu'il meurt en plus, c'est terrible. Le pire truc ever. Vas-y, du coup, tu prends la tour. Darius il cherche des Pokémon, j'avoue. Et là, il est sur Pokémon Go. Il a vu un petit Dracaufeu dans la rivière. Il s'est dit, je vais aller le capturer. Sauf qu'il est tombé face à une arène avec des dresseurs talentueux. Et il s'est fait soulever. Putain mais ça c'est chiant ça. Oui c'est chiant. Non c'est chiant. C'est trop chiant mec. Je peux pas. Genre je peux pas le trade alors qu'il est genre 1000 fois moins bon. Je peux pas le trade. Fun. Bon c'est pas très grave, c'est pas très grave. Je vais prendre du stuff, moi ça sera bien. Partons sur une Yomu. Voilà parfait. Bon l'avantage c'est que je cours vite. Est-ce que je peux faire un truc? Oh j'ai envie de... Est-ce que je peux tenter un truc de ouf? Je vais tenter un truc. J'ai envie de TP, R sur lui, et essayer de one verse instant. Oh ça pue la merde, putain. Voilà, faut que je fasse attention à l'auto-attaque, voilà, maintenant t'y vas. Il s'est fait aggro comme un mob, ouais. Et merci à toi pour être un mob. Oh merde, oh, je suis un connard. Oui. Oh j'ai failli être un connard de ouf. J'ai failli être un mob encore plus con.
fait plaisir hein. Voilà, on est parfait. Donc il faut maxer le Z en deuxième et on sera bien. Par contre au bot c'est chaud, il va falloir qu'il recule. Donc je vais prendre ça, après je vais prendre épée vespérale et une hydre titanesque, étant donné qu'ils ont quelques dégâts magiques, mais c'est pas si ouf que ça leurs dégâts magiques. Mais après la malmortus est souvent prise, donc il doit y avoir une raison. Est-ce que je devrais pas la faire? Mais cherche ton cul à fond. Mais il me le cancel, vous êtes sérieux? Genre soyez pas débile, soyez pas stupide, au bout d'un moment vous avez des yeux. Si me E ça cancel mon A. Ah ouais c'est vrai. Ah ouais je savais pas. Tu vois ça c'est les mecs du chat qui sont en mode oh ouais merde. Oh je pensais qu'il arrêtait avant. Tu vois là je peux pas. Voilà. C'est intéressant. Ok. C'est trop chiant parce que je peux pas y faire grand chose. Voilà une auto-attaque c'est très bien. Voilà parfait. J'ai mis un petit Z. On est bien. Oh là là, les mécaniques de jeu, fantastique. Waouh. Allez, bien. Le truc c'est que tu as l'impression que tu peux vraiment l'aggro comme tu veux. C'est trop marrant. C'est vraiment un mob. Je vous jure, regarde, il va arriver en moi. Mec, c'est trop drôle. Oh par contre, il fait mal. C'est chiant. C'est chiant, je peux pas le chercher moi. Il va me dunk là. Il met flash auto-attaque dunk, je suis mort. Putain de merde. Ah par contre on a Ezreal qui est bon là. Allez, allons-y, prenons ça. Et ensuite ensuite attendons. Allez, je vais mettre mon R et ce sera bon. Putain, n'empêche trade avec Sion face à un Darius, c'est pas fun hein. Ultimate me permet d'aller. Allez. Là c'est comme Payet sur Cristiano hein. Lors de la finale, on y va. On va le chercher. Oh là là. Outplayed, waouh. Oh j'étais tellement mille fois meilleur que lui. C'était dingue. Putain c'est bien d'être fort au jeu vidéo quand même. Oh quel niveau de jeu. Donc allons-y, 12 minutes t'es censé avoir ta Yumi déjà. Bah j'ai là, genre si je bague je l'ai. Voilà. J'ai même les golds pour m'acheter une épée longue de plus. Parce que bon le farming n'est pas ouf, on est bien d'accord. Mais bon, plus le nombre de fois où j'ai back, on va dire qu'il est ok. Parfait ça. Mais les bons dégâts, j'avoue que dès que t'arrives sur un mec et que lui il répond pas, tu le défonces bien. Il y a le Zac qui est ici, moi je vais pouvoir acheter Mayumu et ensuite on va partir sur ceci. Allez, prenons ça. Et là normalement les trades devraient être beaucoup plus simples pour moi. En tout cas beaucoup plus fun pour moi parce que j'avouerais que depuis tout à l'heure le Darius qui arrive, qui me frappe et moi je peux pas répondre, c'est chiant. Donc allons-y. Oh, bien joué l'exhaust du Echo. C'est l'un des dives les plus boutiques que j'ai vu. Oh là là, le mec il est arrivé jusque là-bas. Très bien. Allons chercher, allez go. Allons-y. Donc là, non, il est derrière le mur. Voilà, c'est... Donc là, il va vouloir du grab. Dégâts du Q-spell. Allez, R. Je le blesse. Hop là, et 2-1. Ralenti. Non, arrête. Arrêtez. J'ai mon shield. Oui. Ah, mon passif, c'est vrai. Viens. Non. Oh j'ai bolos. Allez. Non, je sais pas moi quel kill, j'ai le seum. Non. Putain. Donc par contre il manque quelques goals pour avoir ma BF. Est-ce que. Voilà, je devrais pas attendre, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc maintenant, j'ai mon truc. J'aurais mis un bon bum sous tour. C'est vrai que c'est marrant à jouer. Je vous invite à essayer le Sion AD. C'est vraiment fun. Ça met beaucoup de dégâts et c'est cool. Donc testez. Donc la Yumu c'est pour le passif, d'accord. Donc il faut que je garde ma Yumu pour le passif. C'est intéressant. En fait j'ai mis une patate sur le Zac qui voulait s'envoler, tu sais. C'est comme le mec qui voulait s'escape de la police. Il arrive, il s'est pris un chassé direct. Il s'est mis à terre. Oula, par contre là. Attends, est-ce qu'il y a moyen de faire un truc? Yes. Je mets mon Z. Là, genre, arrive dessus.
cas. Non. Voilà, et dehors. Tu mets des vieilles patates, c'est trop marrant. Oh putain. Oh putain. Oh la TP. Enfin le... Oh mais... Pourquoi j'ai un Zreal qui vient de TP avec moi là? Mais... Qu'est-ce que c'est que cette game les gars? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que je peux le bait? Oh non. Ah! À l'aide. Heal moi s'il te plaît. Il a son heal? Il a pas son heal, merde. Est-ce que je peux faire Yumi? Ouais, ça marche. Ok, malheureusement, je suis trop loin. Oh putain, mais. Vas-y, ça m'a trop affaibli aussi. Le Wukong s'est suicidé. Derrière, il y a une TP de la part du Ezreal. Moi, j'étais pas bien, j'étais pas serein dans ma tête. Forcément, au bout d'un moment, je suis obligé de glisser. Oh là là, what the fuck cette game? C'est trop marrant les games en Russie. J'aime trop. Oh là, mais. C'est normal en Russie, j'avoue. Il a dû voir un petit shot là-dessus, il s'est dit vas-y je vais le chercher et ce sera bon. Oh là 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 là, j'ai fait un flash alors que j'étais ignite. C'est pas ouf. Ça va le faire, ça va le faire. C'est à moi. Ils sont tous sous toi, c'est très bien. Ok, je suis full goûté. Fun les clics droits. Boum. Ah, y'a rien de plus justif que de dunker un mec avec son A1. Genre vraiment c'est extrêmement cool. T'inquiète, j'y vais. Donc ça c'était une TP Wars, tu vois. Ah là là. Putain, les bonnes games, c'est cool. Hop les. Hop les. Donc là je suis à 125 creeps, c'est pas mal. On va partir sur un TP Vespa de Draktar. Ah les gamins ils font les beaux, genre en mode je suis boosted. Oubliez pas que je vous soulève tous un par un en 1v1, genre facile, genre en mode je peux jouer à une main et je peux vous battre. Donc faites pas les beaux quand même, n'oubliez pas ça. Même si je suis boosted. Après c'est vrai que je suis un peu boosted quand même. Mais quand même meilleur que le chat, donc ça va. Donc je prends quoi maintenant? Je vais prendre ceci, je vais partir sur ça. Oh ouais, ça va être bien. Par contre les mecs qui mettent 17, tu vois, eux ils sont bons parce qu'ils savent que je suis un peu boosted. Mes moyens, donc ça va. Oula, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je peux leur sauter dessus là, ça peut être pas mal. Ça peut être intéressant. Allez go. Est-ce qu'on peut faire un petit slide ici? Oh wow. Non. Je rigole. Son truc était pas censé me toucher là, putain de merde. Oh, comme c'est le truc. Je vais soulever avec mon item, mon passif. Go, passif. C'est le moment. Oh, 300. Quoi? C'est ça le dégage du passif? Oh, c'est intéressant, merde. Oh, je joue qu'en passif, ça va être trop bien. Donc j'ai pris deux assists, ok, donc là je me suis suicidé. Mais c'était bien beau. Ah oui, pas mal. Oui, pas que t'es D3, non je suis pas D3. Donc c'est un mensonge total. Et oui les amis, je suis D2, 80 points, attention c'est vraiment élevé. De la merde, c'est de la merde. 7-5-7, il faut que je meure deux fois. Pour faire un petit bingo. Ouais mais c'est pas ouf. Je vais partir sur ça et ce sera bon. Fais un maillet gelé. Oh maillet gelé, trop bonne idée. Très très bonne idée le maillet gelé. C'est parfait ça. Par contre ouais, faut que je finisse mon truc. Ah ça va être chiant. Ouais, je vais finir ça quand même. Je vais finir ça, après je prendrai un maillet gelé, ce sera bien. Go full speed push, 1v1 tourelle. Non, je pense pas que ça mette tant de dégâts que ça sur les tours. 600. Il va sauter. Vas-y, là c'est le moment de mourir dans le tas, nice. Oh bien, vas-y go. Le passif. Non. Oh, putain mais les dégâts que j'ai mis. C'est trop bien comme personnage, vas-y. En vrai j'ai pas le temps par contre de mettre mon R. J'aurais bien aimé mettre mon R. Oh, on se fait soulever là. Non. Quel dommage les bons dégâts. Merci à toi en 4 Astropastec pour ton deuxième mois d'abonnement. J'ai mis un beau gloire du juste plus Yumi quand tu meurs, ouais. Mais j'ai pas gloire du juste. Et c'est pour ça que l'autre Sion faisait gloire du juste en fait. Je comprenais pas trop pourquoi l'intérêt de la gloire du juste. Mais c'est vrai que gloire du juste avec la Yumi, c'est vraiment cool.
C'est vraiment vraiment cool. Donc ouais, Glorious ça peut être sympa. Le problème c'est que là je suis déjà parti sur ça. Ouais, mais c'est chiant, c'est de la merde du coup l'hydro titanesque. Qu'est-ce que j'en fais de mes épées longues? Je sais pas trop ce que j'en fais de mes épées longues. Et je viendrai des enquêtes des 2,70 LP. C'est-à-dire que mon bon donc moi, c'est-à-dire que je soulève. Et oui les gars. Et oui les amis. Donc il meurt pour mettre des dégâts, j'avoue, pas ouf. Mais si seulement j'avais pu mettre mon R avant, ça aurait pu être bon. Sauf que j'ai pas eu le temps de mettre mon R, je me suis dit faut que je meure et c'était pas ouf. C'était pas dingo. Les auto-attaques font 10% de leur vie en zombies. Quoi? Eh? C'est vraiment de la merde. Ah! Attends, il va venir. Donc j'ai flash out. Ok, donc là j'ai essayé de voir un peu mes dégâts que je pouvais faire. Darius, c'est une cible que je peux pas avoir. Donc voilà, ça au moins c'est sûr. Allez. J'ai pas Mayumi, putain, c'est trop chiant. J'ai mis combien de dégâts là sur le Darius? Il était combien de life? Il avait beaucoup de vie, non? Parce que dans ma tête, il avait quand même pas mal de vie, quoi. Putain, je me suis fait sous bed. Il faut plus d'armure peine, coup près, ça serait top. Ouais, je sais pas trop. Je sais pas trop si c'est si ouf que ça. En tout cas, ça, je pense que c'est bien. Ouais, je pense que je vais finir quand même le maillet gelé. C'était plus long, on en fera quelque chose à la fin. On en fera quoi? Donc là, j'ai prévu de faire maillet gelé. Et qu'est-ce qui pourrait être bon après? Cette plongue n'est pas bonne. Cette plongue n'est pas bonne. Qu'est-ce qui se fait déjà? Ouais, c'est ça. Gloire du juste. Donc, c'est-à-dire qu'il me faut quand même un petit catalyste. Ok. Let's go. Il était 3 quarts life. Ok, pas mal. Pas mal, pas mal. Un bon champion. Ezreal build S3. J'avoue qu'il fait un build, mon pote. Ça fait longtemps que j'avais pas eu ce genre de build. Faut que je fasse trinité au coup près noir pour que tu te fasses pas kite. Non, mais je pense qu'il faut genre de quoi courir vite pendant son passif. Donc, c'est vrai que la gloire du juste me semble plutôt pas mal. Donc on va tester, je vais faire maillet gelé, gloire du juste, et normalement, là, l'objectif va être de mourir. Mais genre de vraiment mourir. Genre en boucle, et du coup de mettre des dégâts. Pour voir combien... est-ce qu'on peut être top damage comme ça? Z, ok. Il n'y a rien à faire là. Vraiment pas d'espoir là-dessus. Ouh dommage, j'ai mis quand même quelques dégâts là au petit Zach. On a essayé d'anticiper le déplacement malheureusement. Unlucky. Attends, est-ce qu'il est pas là? Ça se trouve il est là. On tente, on sait jamais. On essaie de faire des trucs en blind. C'est de la merde hein. On tente. Donc il a bronzé de quoi? J'ai bronzé de dingue. Hop là, prenons ça. Parfait. Cherche ton cul à fond pour dépush. Ouais je sais. Parce que là j'avais envie de mettre quelques dégâts. C'est chiant. Allez je cours. Je reviens. Oh je reviens avec TP home guard. Et je reviens avec mon ultimate. C'est trop bien. Vas-y mourir, mourir, mourir. C'est bien, c'est bien. Continue, continue. Allez, kite, kite, kite. 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Casse les couilles. Casse les couilles. Là c'est long de courir. Esquive. Esquive. Oh là là. Oh là là, le danseur. Ok, donc là c'est le moment de d'essayer d'aller surprendre. En essayant d'arriver avec un ultimate et arriver dans le but. Ok, pas mal. Allez, c'est le moment. Merde, merde, merde. Let's go! Boys! Hop les, et on les soulève. Hop les. Hop les. Et merde, et un triple kill. Et bien joué à moi pour cette téléportation dans le dos. Ah. Tu vois, c'était juste ce qu'il fallait. Fallait que ma team meure pour que moi ensuite je m'amuse. Fantastique. Fantastique fun. Par contre, le pauvre Echo, il a pris un train sur sa gueule. Il a pas dû kiffer. On va prendre ça, ce sera parfait. Est-ce que le gosse applique au passif? Je sais pas du tout. Donc allez, je vais prendre ça. En tout cas, ça fait bien bien des dégâts. Une fois que j'ai mon maillet gelé là, ça va être, oh, ça va être tellement bon. Donc je vais prendre maillet gelé et ensuite je vais prendre gloire du juste et ce sera bien. Allons-y. Gloire du juste, où est-ce que c'est la gloire du juste déjà? C'est ça.
Donc voilà, je vais prendre ça. Je vais prendre un peu de PV, vu que là j'ai 2698 PV, c'est pas ouf. Mais avec la Warrior Juice, j'en aurais beaucoup plus. Donc là, j'en aurais genre quasiment 3000. Et ça pourrait me permettre de faire des petits trucs là. Ça sera bien. Donc, allez, qu'est-ce qu'il prend là? Putain, mais vraiment, c'est fun. Le champion, même si tu meurs, tu t'en fous. Et ça qui est cool avec ce champion. Parce que même si tu meurs, tu peux faire des dégâts. Et ça, c'est plutôt cool. Ça pourrait plaire à certains joueurs qui savent que mourir. Donc à vous de voir, hein, si jamais vous voulez choisir un champion, vous mourrez. Oh, putain, le coup. Il a perdu midlife. Il a pris une petite explosion dans sa face, le pauvre. Ok, il y a la zone. Peut-être moins de faire un truc là. Peut-être moins de faire un truc, les gars. Chouchou. Oh, les bons dégâts. Ok, donc un de tué. On y va. Avec le petit chouchou en bruitage, hein, bien sûr. Hop, les temps soulèvent. Donc, où est-ce qu'est la queen? Je vais aller au top. Moi, je vais prendre le red buff. Moi, ce sera bien. Le red buff me mettra très très bien. Voilà. Parfait. Ça fait mal quand même, hein. Let's go. Ok, c'est pas mal. Continue à mourir sous les tours, hein, de façon. La bouteille s'est emparée de vous et on sait. Donc c'est ok. Voilà. Voilà, j'ai pas laissé charger à fond. J'aurais dû laisser charger à fond, mais je me suis avec le shield. Ça ira. Donc c'est pas mal. Voilà. On tape la tour. Queen est mort. Pour y aller, on va pouvoir y aller. On prend du fun là. Par contre, les dégâts que ça met sur la tour, c'est insane, non? Est-ce que c'est normal ça? Est-ce qu'il me tue en V1? Je pense qu'il me tue. Ouais. En 2v1. Voilà, on court un peu. Hey ah. Non, je rigolais. J'ai voulu faire le beau, putain. Voilà, s'il vous plaît, salut. Non, esquive. Je peux pas esquiver ça. Vraiment, les gars. Vraiment, les gars. Bon bah écoutez, ça va être sur le passif que ça va jouer, les gars. Ça va être sur le passif que ça va jouer, très bien. Je vais faire le beau. Allez, viens là! Attends, je vais garder, c'est moi qui dois prendre le kill. Yes! C'est bon. Parfait! Donc, on a de quoi acheter maintenant notre gloire du juste et on va courir maintenant extrêmement vite sur eux. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre pour essayer de profiter de sustain? Qu'est-ce qui pourrait me profiter sur le sustain? Merde, attends. Ok, voilà, j'ai ça. Est-ce qu'un Tiamat serait bien? Par contre, j'avoue qu'il y a eu du. Mec, ils m'ont chase quand même de là jusque là pour mourir. La gueule, la gueule des mecs, c'était terrible. T'aurais dû les fight, tu vas soulever avec passif Yumi. J'avoue, j'aurais peut-être pu le faire. Mais là, c'est juste que le Ezreal est arrivé. Je pense que même sans le Ezreal, j'aurais pu les tuer. Donc ça aurait pu être bon. Donc que prenons-nous? Danse de la mort? Danse de la mort, ça me semble bien, ouais, j'avoue. Allez, danse de la mort qui tue, go. Go là-dessus. Et de toute façon, oui, je suis plus utile quand je suis mort que quand je suis vivant. Mais c'est le principe même de ce Sion AD. Tu dois mourir pour être efficace. Mourir pour ton équipe. Et ça, c'est beau. Donc sustain sur tes skills plus CDR. Ah ouais, fantastique. C'est trop bien. Il saute. Et il a sauté, let's go. Il a sauté, go go. Il s'est fait soulever. Ce sera pas moi, mais bon. Tant pis pour toi, mon ami. Je vais lui faire le beau. Ouh. Dommage. Oh, les dégâts de Ryze, c'est comme un sacré délire. On tente, on sait jamais. Oh, dommage. RIP. What the fuck? Oh merde. C'est trop agréable, allez hop. On va mettre des petits coups. Et on te monte en l'air. Voilà, parfait. Let's go. Est-ce que je peux faire un truc là? J'ai envie de mourir, moi. J'ai envie de mourir pour aller chercher. Mais le problème, c'est que c'est un. C'est comment dire? C'est un écho. Donc en gros, si je tape, il va juste utiliser son ultimate et ce sera bon. Allez, je vais essayer de le suicider quand même dans les tours. On va voir si j'arrive à le tuer après. Avec les deux items. Voilà, là c'est le moment de mourir, voilà, go. Le pic c'est Usain Bolt. J'ai tapé un sprint. J'ai fait Yumu, gloire du juste, le spell. J'ai été lui mettre une patate, le pauvre Echo, il s'en. Je pense qu'il était pas prêt. Je pense vraiment qu'il était pas prêt à prendre aussi cher. Ah oui. Ah oui. Pas mal, pas mal, j'aime bien.
J'aime bien. Oh là. C'est très très marrant à jouer les gars. Jouez sur un dé les potes. Si jamais vous êtes en Silver Bronze, vous allez vous faire un régal. Les mecs vont pas être prêts à ça, hein, genre, je vous jure. Oh, c'est tellement bien. Usion Bolt. Les pires. Ah oui. Mais je courais à combien? J'aimerais savoir à combien je cours lorsque j'ai les deux d'activer. Enfin les trois d'activer. Ça doit être un délire de ouf. Donc voyons, je suis level 15 pour l'instant. Je suis pas trop bien dans la game, hein. Voilà, j'ai 15 kills, mais on est mort pas mal de fois. Mais les 9 fois où je suis mort, croyez-moi qu'il y a eu des petites assists et des kills qui sont récupérés. Donc au final, on va dire que c'est ok. Ok, voilà. Comme ça. On va tous utiliser parce qu'on s'en bat les couilles. Si on en a rien à foutre de rien. Nice, parfait. Mais lui, level 16, lui, évidemment, c'est cool. Ok. Donc, allons-y. Un pic killer mourir pour faire des dégâts. Et oui, merci à toi, Vladimir, pour tes 8€ avec un magnifique message. Hein. Ouais. Putain, t'as lâché 8 balles quand même pour mettre route, frère. On aurait pu mettre un petit message cool, tu vois. Mec, tout ce qu'il a voulu faire, c'est lâcher un paix. C'est terrible. Terrible, mon ami. Oh merde. Moi je tape ce que j'ai en face de moi. En l'occurrence, ça dirait que c'est un jack. Hop. Mec, c'est trop bien, tu tapes juste qui est en face de toi. Et go! Ok, dommage. J'aurais bien aimé taper le Zac aussi. Ils sont tous morts, putain, c'est chiant. Est-ce que je peux aller chercher dans la base? Ça me semble compliqué quand même d'aller chercher dans la base. On va voir. On va tester. Ça me semble chaud, ça me semble très très chaud. Oh, ça met quelques dégâts quand même, on lui a mis un petit midlife. Si seulement ça avait été une queen, je pense qu'elle aurait pu mourir. Ouh. Beau jeu le petit Ezreal. Et on lâche le fameux RR pour terminer. Avec une magnifique victoire de notre côté. On est content, on remporte cette game. Et vous avez pu apprécier un magnifique gameplay d'un Sion AD. Donc voilà, si jamais vous voulez jouer, si jamais vous voulez le tester, n'hésitez pas, c'est vraiment très cool à jouer. On a fait un solid score de 15-10-15. Pas mal, pas mal, pas mal. Donc 13 victoires, 6 défaites pour l'instant. Et au niveau des dégâts, ah oui. Donc voilà, c'est exactement ce que je pensais. C'est le genre de champion, tu meurs, mais c'est pas grave. Tu vas mettre des patates et ça, ça va être bien. Donc j'étais à 756 de Moonsmith à la fin. C'est nimp, genre c'est énorme. 758 de Moonsmith, tu peux pas kite ça. Hein. C'est impossible. Donc merci à toi Thomas pour ton 3ème mois d'abonnement avec un magnifique RR en message. Et donc oui, oui, on a fait plus de dégâts que le Ezreal et le Wukong qui étaient archi faibles. Parce que bon, le Ezreal a fait quand même 13, 5, 23. Et le Wukong a fait 16, 3, 22. Donc c'est pas mal. Genre c'est vraiment, vraiment pas mal. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette petite session de LRB en Russie. Pour vous tous qui étiez présents sur live, pour tous qui êtes présents sur YouTube comme d'habitude. Voilà, je vous invite à vous abonner, à mettre un maximum de pouces bleus, de commentaires et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous avez tous les liens dans la description. Je vous dis à la prochaine, sur une prochaine vidéo. Ciao.